Yop tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc on se retrouve sur Call of Duty Ghost, sur le map Octane en domination 6v6. Dans cette partie, j'étais accompagné de l'Extincteur, Typhon, Globac, Beru0 et moi-même, donc on était en groupe de 5. Donc voilà. Donc c'est aujourd'hui je vous présente ma double KM à la Chainsaw, donc le dernier fusil mitrailleur là. La petite particularité. Wow, la petite particularité, c'est qu'on ne peut pas viser avec, donc il n'y a pas de viseur, on peut juste viser au jugé. Donc voilà, voilà, comme vous pouvez voir, quand je suis appuyé sur L1, ça a fait une petite visée au jugé. Donc franchement, je vous conseille vraiment ce fusil mitrailleur, il est vraiment énorme, voire abusé quand même. Hein. Franchement, je vous le dis clair, il est vraiment abusé. Enfin après, il y a des gens qui arrivent à jouer avec, après il y en a qui n'arrivent pas, après voilà, ça dépend les gens. Mais perso, moi j'arrive vraiment bien à jouer avec, donc... Je vais vous décrire ma classe un peu. Donc là, Chainsaw. Dessus, j'ai mis silencieux chargeur grande capacité. Donc, j'avais 120 balles dans le chargeur. Sauf que moi, je croyais que ça allait faire un peu comme sur Black Ops 1. Je sais pas si vous vous rappelez avec la M60. Quand on prenait l'accessoire munitions de masse ou un truc comme ça. Genre, on avait au moins. pardon. On avait au moins 400 balles dans le chargeur. Et moi, je croyais que ça allait faire ça. Et en fait, on a juste 120 balles, mais on a d'autres balles en. En fait, on n'avait pas besoin de recharger sur Black Ops 1, alors que là, on a besoin de recharger. Donc voilà. Donc pas d'armes secondaires, pas de tactique, pas de mortel, rien du tout. En atout, passe-passe, tracker. Les autres atouts, franchement, les gens, je me rappelle plus. Je devais avoir concentration, peut-être. Des trucs comme ça. Ah oui, je sais ce que j'avais comme atout. J'avais le petit dé, là. Genre, quand on respawn, on a un atout aléatoire. Et l'atout aléatoire, c'était nettoyeur au début, donc voilà. Donc cet atout, je vous le conseille, ouais, il est pas trop mal, ça fait un atout en plus, c'est pas mal. En plus ça coûte qu'un seul point, donc on a deux atouts pour un point, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Sinon, en spécialiste, j'avais sonar, silence de mort, amplification, donc voilà. Sonar, waouh, ce qui est vraiment bien, c'est que voilà, par exemple, à un moment je vais tuer des ennemis là, et il va y avoir un petit rond. Donc voilà, voilà, comme vous pouvez voir, il y a un rond. Et ça va me faire des positions ennemies, donc c'est vraiment très intéressant. Après j'avais silence de mort et amplification, donc vraiment très intéressant aussi, pour entendre les ennemis et les bruits de pas. Et les autres atouts spécialistes, j'avais pillard, je m'en rappelle de ça, mais les autres atouts je m'en rappelle plus du tout. Voilà voilà. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler de... Déjà je vais tenter d'envoyer ce gameplay à code QG. Mais dans une autre vidéo, je ferai une autre vidéo avec un autre commentaire. Donc j'espère qu'ils m'accepteront. Donc là, je leur avais envoyé ma AKM à la VPR en 2046. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite à aller la regarder. Donc voilà. Et ils ont. Ce qui m'énerve un peu chez Code QG, c'est que certes, ils reçoivent beaucoup de messages par jour de gens qui veulent passer sur leur chaîne communautaire. Ça, je peux le comprendre, mais ils pourraient au moins avoir l'amabilité de répondre aux gens. Ça serait vraiment respectueux, parce que là, franchement, ils n'ont aucun respect pour les gens, ils leur répondent même pas. Franchement, ça fait au moins une semaine que je leur ai envoyé le truc, ils m'ont toujours pas répondu, donc c'est un peu du foutage de gueule, j'ai envie de dire. Enfin bref. Donc je vais tenter de leur envoyer la double KM à le Chainsaw, on verra bien s'ils répondent ou pas. Donc voilà. Donc là, je voulais mourir pour faire ma deuxième KM, et le mec, il voulait pas me tuer. Donc là, j'ai coupé le gameplay, et on se retrouve pour la deuxième série. Donc ce qui m'énerve aussi, c'est que, genre, quand vous êtes en série, tous les ennemis essaient de vous tuer, et c'est galère. Alors que quand vous avez la KM et que vous voulez vous faire tuer pour faire votre deuxième série, et ben les ennemis, ils veulent pas vous tuer. Ça, c'est vraiment bizarre. Enfin bref. Par contre, vous verrez que dans ma deuxième série, je ne vais... Comment dire? Je vais faire à peu près 14-15 kills à la Chainsaw. Et les derniers kills jusqu'à la KM à la K12, tout simplement parce que j'avais plus de balles dans la Chainsaw. Et voilà. Aussi, je voulais vous parler de ce que vous vouliez comme, comme autre vidéo donc sur la chaîne. Donc, ce que j'ai à vous proposer, c'est une KM à la SC 2010, une trick KM fail à la K12, une double KM à la Honey Badger. Une KM à la K12, une KM à la FAD, et voilà. Donc dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Et voilà. Donc je pense que je vais vous laisser là, je vais vous laisser en musique. J'espère que vous avez aimé le gameplay. Donc laissez un like, un commentaire, ça fait super plaisir. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.
can break everything. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper. Like a skyscraper. Yes, go. Oh my god.